Hello à tous, c'est Gohansan et aujourd'hui on attaque le 15e épisode. 15e épisode. On s'est vraiment attardé sur toute cette partie là. Après ça ira plus vite pour là-haut. Moi je me fais pas de soucis. Comme vous voyez derrière moi, j'ai fini la façade en off. Je vais vous montrer ici. Et du coup j'ai étendu là juste à moitié. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à... En gros, les piliers sont armés. Ils sont armés de barres de fer, de tout ce qu'on veut. On dirait que le pilier là, il était d'un bloc comme ça, et qu'on l'a en fait... On l'a déshabillé de béton en fait. Et du coup, il nous reste plus que l'armature en métal ou en pierre là. L'occurrence. Du coup voilà, on dirait qu'on a dépouillé le pilier. Voilà, donc ça fait un genre. Ça plaît pas. Ouais, là je pense que pour l'instant on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour cette fois là on va faire autre chose. Je voulais vous montrer quelque chose aussi. Vous vous rappelez, je vous disais sur cet épisode là et sur un épisode du Let's Build numéro 3, 4, Let's Build numéro 4, on avait un petit souci de son. Vous voyez là? Et ben, en fait, le son de ces blocs-là, c'est considéré comme des créatures passives. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, je viens d'y changer, et maintenant, on entend... Et puis on entend mes pas aussi. Alors que tout à l'heure, on ne les entendait pas. Donc c'est vraiment bizarre parce que... Là, il y a un souci. Hop. Voilà, comme ça. Non. On va enlever ça. Et on va mettre ça. Je sais pas si ça rend bien. Donc du coup voilà, ça c'est considéré comme le son d'une créature passive. En fait c'est peut-être considéré comme le son de nous, en fait, du personnage. Voilà, c'est un petit truc spécial encore. On en découvre des trucs spéciaux avec ce jeu. Allez. Donc voilà, on finit ça juste pour que ce soit clos. Voilà, là, cette fois on est protégé, on peut pas tomber. Donc on avait dit qu'on allait faire l'autre côté. Alors l'autre côté, un peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ah non, c'est bon. Ah oui, là, il faut que je refinisse encore. J'ai pas fini. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Eh ben, on va essayer de faire comme l'autre côté. Donc on va épaissir ça sur 3. On va faire des bons piliers. Ici, on va mettre de la glowstone. Ensuite, de l'autre côté, on va faire pareil. Hop, des bons piliers. De 3. Ici, de la glowstone. Et on va monter ça. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà. Donc voilà, ça nous en... ça nous encadre cet espace-là, et... Alors ça, c'est l'espace où il y aura... Où il n'y aura rien du tout, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais prévu de mettre ici? Ah oui, un passage de ici, hop, et on descend là, ok. D'accord. Et donc, voilà, on va faire pareil ici, hop. 3,
prendre la sélection déjà dès le départ. Tac. Là. Là. Stack 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stack 6. Voilà. Et on va faire en sorte que le pilier déborde ici. Et on va faire, alors, ici on va pas faire comme de l'autre côté pur, c'est que là on va faire une grande baie vitrée. Pardon. Parce que là du coup, comme on a tout un système de piliers qui est là, et qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, on peut se permettre d'avoir peu de tenue. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement... On va reprendre ça. On va le mettre là. On va faire un cadre. Ça, ça nous fait un bon petit rappel de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. On va peut-être quand même... Je sais pas, est-ce qu'on peut mettre... Ça fait quand même grand... Hein. Ici du coup voilà, on déborde ici, on peut pas trop ici poser. Ah, ce qu'on va faire, ouais c'est bon, j'ai trouvé, on va mesurer déjà ça, 52, qu'on va couper en deux, ça fait 26. Waouh. Et qu'on va couper encore en deux, ça fait 13, c'est ça. 14, 13. Ici, et du coup, on épaissit. Voilà. Pareil. On va faire de là à 11, 12, 13. Là, on épaissit. Du coup, là, on casse. Ou pas, mais bon, c'est quand même mieux de casser. Et on a... Hop. À mettre ça comme ça jusque là, donc en façade, voilà, c'est tenu en fait par ça. Donc pour tout tenir bien comme il faut, faut que le pilier monte jusque là haut pareil là. Donc là, ce que on va faire, c'est que tac tac, là, on va faire un petit stack les 10, il faut que ça passe à travers le poil. Regardez si c'est pas magnifique. Voilà, là il y a un souci, je sais pas ce que c'est, mais il y a un souci. C'est bizarre là, mais bon, c'est pas vraiment menaçant. Qu'est ce que je sors comme nom. Du coup ici on va calculer combien il faut. 18. Donc on stack 18.
dans là-haut. 18. Voilà, ça tient jusque là-bas. Pareil ici. Ouais, ça change un petit peu sur cette façade là. On n'a pas, c'est pas forcément on n'a pas forcément copié exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Oups, excusez-moi, monsieur le grand bâtiment. Voilà, donc ça, bon, ici on enlève, là du coup on encadre comme il faut, hop, là on encadre comme il faut, ici pareil, là pareil, donc là on a nos encadrements de fenêtres, on dirait qu'ici c'est plus grand que là, bah oui, comment ça se fait que là c'est 6 ? Et que là c'est 7. Ah oui, d'accord. C'est le... C'est ça là. Bon, c'est pas... C'est pas vraiment grave. Voilà, donc là on peut éventuellement en dessous laisser, on mettra des fleurs, de l'eau qui coule peut-être, des trucs comme ça. Et là, j'ai pas fait là. Ici, du coup, ben, on va faire des vitres, tout simplement. Des grosses vitres. Comme ça, on aura notre façade de ce côté-là. Elle va pas être vraiment... pas vraiment... Ouais, c'est... Ça me choque un peu, c'est quand même un peu trop simple, il me semble, quand même. On va voir avec les vitres. Oh, les vitres comme ça, c'est pas... Oh, quoique. Ça fait master, quand même, ça fait gros. Hein. Ouais, allez, hop. Non, moi je trouve finalement non, ça va. Allez, hop, ça va. Alors on va faire par contre, un petit design ici. Alors on va remonter de 1. J'avais remonté de 2 jusqu'à ce que je me dise pourquoi pourquoi tu veux remonter quelque chose ici. Alors si par exemple on n'a pas de bon gros détail sur la façade, comme c'est en train de se produire ici, le but c'est de faire des détails ailleurs, et ici quoi de mieux qu'un truc dans ce genre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va tricher, hop. Zéro par ice, tac. Par contre là on enlève, et au bout on enlève aussi, donc ça nous fait une petite barrière, hein, finalement petite barrière. Et du coup, est-ce que ce serait possible? Ouais, on peut faire éventuellement la même chose jusqu'ici. Donc là il nous faut 3. Pourquoi je... Vous savez quoi, on va faire ça. Hop. Hop. Et on va... Ça fait combien, 79?
faut qu'on en mette 3 du coup. Non, 2. Attends, je prends la calculette une fois. Alors 79, ça fait moins 2 parce qu'on est dans les piliers, donc ça fait 77. 77 divisé par 3. Attendez, non, non, non. Je me gourre. C'est 77. On enlève 6 pour la largeur des deux piliers qu'on veut mettre. Donc, moins 6, allez, 71. 71 divisé par 3, là, cette fois. Divisé par 3, parce qu'on aura 3 longueurs entre 5 piliers. Égal à 23,66. Donc si on fait 23 et 23, automatiquement celui qui sera au milieu, il y aura 24. Voilà, c'est bon. Hop. Donc on va mettre à 23. 13, 18, 21, 22, 23. Donc là on fait des petits plots, hein. C'est pas des piliers, c'est des plots pour tenir le truc. Pareil ici, on va faire 23. Alors, c'est à peu près, allez, on va dire là, 25, 3. Donc ça sera là. Et on va vérifier, normalement on a 24 ici. Voilà, ça fait des petits plots sympathiques. De là à là, il y a 24. 25, t'as raison. 23. Alors si on met 24 là, 24 là. Allez, on laisse, c'est bon. Donc tac. Là aussi, on fait ça. On fait ça. Et padadam. Ça nous fait comme un tube. Un tube en fibre de verre là, qui est allumé par une lumière qui ferait tout le tour. Voilà, donc qui ferait tout le tour. Il faut juste qu'on copie cette partie là. Hop. J'espère que là-bas ça va pas nous embêter. Voilà. Et ici. 1, 2, 3. Passe. Voilà. Donc voilà, en même temps ça nous entoure le truc. Ensuite j'avais envie de ciseler un peu les trucs là, mais on fait ça. Ouais. Mais le problème c'est que si on fait ça, le truc c'est que après il faut faire ça partout, non? Ou juste sur cette façade. Eh mais ça a remis ça là. Ça l'a remis là aussi? Non. Là, là. Non, je pense que sur cette façade, on peut éventuellement faire ça. Ça gêne pas. Voilà. Il suffit juste de regarder de ce côté-là. Donc là, hop, là aussi. Je peux pas faire un replace, si. Oh si, on va faire un petit replace du coup. Là, on peut aller jusque là. Là, j'y avais pas
fait, donc on fait, et le dernier. Hop, et hop. Là, jusque là. Et on va faire comme tout à l'heure, en espérant que... Voilà, en espérant que ça fasse pas ce que je voulais. Non, bah. On va faire juste pilier par pilier, parce que ça va être un petit peu trop emmerdant. Ah, puis on a lui. Comme ça. Hop, ici. Là, ça nous fait ça. Voilà. Ici. Jusque là. Ça nous fait ça. Et là. Ah bah c'est fait. C'est fait, mais juste là qui est pas fait quoi. Non. Voilà. Et on va remplir. Bah on va faire ça. Ça. J'avais un petit. Voilà, ça. Tac. Pareil jusqu'en bas là. Et avec la dalle là-bas, ça connecte pas, c'est super. Là, à là. Là. Là, on va mettre comme ça. Tout simplement. Et ici. C'est fait. Voilà, ça rhabille encore un petit peu plus le truc. Voilà, donc pour cette façade, je pense que voilà, on termine comme ça. Et du coup, ah oui, alors là, du coup, on va faire des luminaires sympathiques là-dessous. Non. Là, ça a pas... Ça s'est pas mis à jour. Il faisait trop nuit, je sais pas. Ouais, bon. On va faire en sorte d'allumer tout ça. Alors, comment on peut faire? Soit on fait ça. Déjà, on peut faire ça. Depuis l'arrière. Voilà. Et autrement... Ensuite... Après voilà, j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées. Est-ce qu'on peut faire sortir d'un cran? Ça passerait sur le trottoir, mais bon, c'est pas... Bah, du coup, faudrait faire un cran partout. Non, allez hop. Tac. Bon, allez, hop, on va faire les luminaires comme je demandais. Alors on va les faire on va les faire ici. On les fait comment? Comme ça, hop, comme ça. Là ça ferait 5 par le ...3, 4, 5. Voilà, centré par rapport à ça. Mettre de la lumière et bah après il n'y a plus qu'à regarder le centre de ça, de là à là, 22, donc ça fait 11. Alors est-ce que c'est le centre vraiment? Non. Parce que du coup là ça ferait hop 10 et 11. Donc ici ça sera 10 et 10 et 2, 4 et on va faire 6. Allez, hop. 6. Voilà, donc ça allume quand même assez bien. Et on va faire allez, hop, on va prendre
continuer. En dalle blanche. Pour que ça aille avec le pilier. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit ici, là, de 3. De 3, mais à partir de là, parce que là, il y aura le blanc. Voilà, comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est un petit peu mieux. Voilà, alors tout ça, c'est pour allumer les lampes en dessous, les plantes qu'on va mettre. Ici, j'ai envie qu'on fasse un petit design. Hop, et on fait ça, tout simplement, jusque là, et on double ça. On fait pareil ici. J'ai doublé lequel? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, pareil, on double là. Et on fait plat jusque là. Et pareil, ici, on double là. Voilà. Et là, on peut éventuellement faire croire qu'on double ici aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit truc sympathique. On pourrait même... Oui, on va faire un truc dans ce genre-là. Qui vienne à un cran, vous voyez, comme ici. On laisse un cran ici. On a débordé de 1, 2, 3, 4. Donc derrière, on va essayer, tant bien que mal, de déborder. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc. Un cran trop loin. Allez! Oh bah bordel. Deux crans trop loin. Oh là là. Bah oui, c'est 4. Voilà, et à ce niveau-là, on fait une ouverture, donc on laisse la bordure là, on fait une ouverture de 4, et dans le sol, enfin dans le plafond de l'autre côté, là, on fout de la lumière. Vous voyez, pareil ici, on casse là, et au-dessus... On fout de la lumière. Moi, je trouve ça pas mal. En plus, on est 2, 1, 2. En plus, on est centré par rapport à ça. C'est magnifique. On va copier. Hein. On va pas se faire chier. Tac de là à... Tac de là-bas. On va se mettre... qu'on se mette en face. Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Et là. 2, 3, 4. Oh, on a de la chance en fait. Donc on va se mettre du côté... Allez, du côté là du truc. Copie. Yes, c'est no en fait.
c'est là. C'est là. C'est là et... Et là. Hop, là on met l'herbe. Et je pense qu'on va pouvoir mettre notre feuille. Alors, notre feuillage. Bien sûr, ça sera à la poudre d'os. On va pas s'embêter. Et on tartine. On tartine de feuillage. Tout simplement. Donc, je vais faire le haut en premier. Tout en s'énervant un petit peu. Hop. Et là, hop, jusque là, parce que c'est mon coin. Voilà, et là. Comme ceci. C'est vraiment le domaine abandonné ici. Voilà. Donc voilà pour ce coin-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, on peut rajouter ça sur 6. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'inverse bête. Donc, du coup, bah, je vais le recopier de là. Hop. Hop. Et on va le passer de l'autre côté. Voilà. Et on se met là. Et on le paste. Et ça fait... Ça fait la continuité. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de faire un petit rappel des autres trucs de l'autre côté. À chaque bout de pilier ou de plot qui tient le truc là, on rajoute ça. Oups. Est-ce que ça allume un peu plus à chaque fois qu'on ouvre? Non. Là, il n'y a pas de lumière. Lumière à chaque fois en haut, ouais, 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 là aussi, là aussi, là aussi. On va faire pareil ici, ouais, ici, et là on va rajouter de la lumière, et voilà. Est-ce qu'on pourrait faire ça histoire de... Non, ça fait pas top. Voilà. Je regarde si tout va bien. Voilà. La prochaine fois, hein, bon là c'était peut-être pas trop, c'était pas trop instructif. Hein. On a fait que d'adaptation de l'autre côté. La prochaine fois, on attaquera. Soit on va attaquer un petit peu l'aménagement là, soit on continue l'aménagement de cette de tout cet endroit là. Je pense qu'on va, on va faire soit, ouais, soit ça, soit là, soit là. Allez, on a trois objectifs. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'aime bien ce petit coin.
Et il pleut parce que le temps est pas content, il pleure quand on a fini. donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.